Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de la grande épicerie de Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Mika. Cédric qui est tout simplement chef de la table, le restaurant de la grande épicerie de Paris. Alors, Cédric, depuis combien d'années d'ailleurs tu es chef de la table? Depuis 6 ans maintenant. 6 ans, et je vois tous ces beaux ingrédients, ça a l'air délicieux. Quelle est la recette du jour? Alors, on va partir sur une recette très courte, d'une vingtaine de minutes, sur un dos de cabillaud avec des carottes au curcuma et une semoule de brocoli. Ça a l'air délicieux. On commence? On y va. Allons-y. Alors, on va commencer d'abord par saler le cabillaud et on va les laisser 10 minutes. Alors, on va préparer la garniture, on va commencer par les carottes. D'accord. Alors, je vais te laisser éplucher les carottes. On a 3 jolies carottes crayon. Très bien. Et moi, je vais éplucher le curcuma. On va commencer les carottes, ça va être le plus long. D'accord. Donc, on va démarrer avec un petit peu d'huile d'olive. Hop, on va mettre les carottes. D'accord. On va mettre le curcuma. On va couper 4 grosses tranches. D'accord. Donc, il y a 4 tranches qu'on grille, 4 tranches qu'on coupe en petits morceaux. Exactement. D'accord. Donc là, les carottes, on voit, elles sont en train de commencer à être marquées. Le curcuma aussi. D'accord. Ça commence à cracher un petit peu d'eau. On va baisser un chouïa. On va mettre de l'eau à hauteur et on laisse cuire. Alors, les olives, on va les prendre. Oui. On les hache ou on les taille en brunoise. Là, je récupère ce citron grillé et j'en fais moi-même une brunoise. Moi, je vais prendre un petit peu de persil et un petit peu de basilic. Cédric, ça y est, 10 minutes. On va rincer le cabillaud. Tu peux tailler la sucrine en deux. D'accord. Et je te rejoins. Et voilà. La sucrine, l'idée, c'est... De la braiser. On va faire la semoule de brocoli. Ah oui. Alors, tu vas voir, c'est très simple. On prend un couteau ou un économe et tu vas le raser. Alors, tu vas faire comme ça. Alors, je ne pensais pas un jour raser un brocoli. Cuisson cabillaud, vapeur. Vapeur. OK. On est parti pour 5 minutes de cuisson. Donc, on va marquer la sucrine. OK. Un petit trait d'huile d'olive. La semoule, on va l'assaisonner. On va... Démarrer les sucrines que tu as taillées. OK. L'eau de cuisson est chaude. Oui. On met une petite noix de beurre et on va émulsionner le beurre et le liquide. Tout est prêt. Tout est prêt. On attaque le dressage. Qu'est-ce qui nous manque alors, là? Le poivre. D'accord. Un tout petit peu. Oui. Cette petite semoule de brocoli. Je pense que là, ce qui peut être intéressant, c'est de goûter. J'ai très envie. Écoute, je te laisse déguster. On y va. Eh bien, voici ce plat qui a l'air délicieux, qui est au menu, évidemment, de la table, le restaurant de la grande épicerie de Paris, concocté par tes soins, les soins de tes équipes. Exactement. Également. Bonne dégustation, Mika. Ben, merci beaucoup, oui, puisque j'ai très envie de déguster ce plat. Merci et à bientôt. Merci, Cédric. Merci. Au revoir.